Aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'application WonderCraft. C'est l'application que j'utilise pour créer des cartes fantasy ou n'importe. Disons que j'utilise surtout pour faciliter le travail et d'avancer assez rapidement. Donc, voici la base que j'utilise, c'est-à-dire je travaille déjà avec Photoshop pour dessiner certains détails. Comme ici, donc à partir du sketch, comment ça s'appelle? Le croquis de Oda, qu'on peut trouver sur le livre One Piece Magazine, numéro 9, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Il a présenté sa carte d'origine qu'il a dessinée et que j'ai fait un copie et que j'ai agrandi pour pouvoir travailler sur les détails plus pointus. Voici, sans fond, juste le red line, le grand continent. Ici, un pré-coloriage pour le continent, la couleur brune. Donc pareil, ici, j'ai créé une mer avec le bleu et surtout le grand line. Avec une autre couleur que les quatre mers. Et le calpelt, les deux ceintures qui séparent les autres mers de Grand Line. Là, ici, c'est la carte exacte de Oda avec les petites îles sur Grand Line que j'ai supprimées. Ici, tout ce qui est île sur Grand Line, je l'ai supprimé afin de rendre les îles plus reconnaissantes pour. Par rapport au manga, qu'on puisse voir les îles correctement. Donc là, tout à l'heure, c'est la réunion entre le continent et le paradise, le Grand Line, qui est coupé en deux. Donc il y a la partie Grand Line, paradise du Grand Line, et Nouveau Monde ou Shinsekai, qui est le Nouveau Monde dans le Grand Line. Voilà. Voilà, c'est les différentes parties basiques créées avec Photoshop. Ok, voilà. Donc, c'est à partir de là que je vais travailler. Donc, je vais mettre de côté et je vais mettre en route l'application que je travaille avec après avoir dessiné les images de base. Donc, ça bloque en plus, ça bouffe énormément de puissance processeur et graphique. Voilà, il faut cliquer dessus pour qu'il change. Et voilà, et là, on va faire News. On va créer une nouvelle carte. Donc, on fait News. Et là, j'ai désactivé le lien entre l'horizontale et verticale. Je veux avoir la plus haute dimension de taille carte possible, donc qui est limitée à 8000 à 4000. Je crois qu'on peut monter encore un peu plus sur celui-là, 8000 quelque chose, mais celui-là il est limité, donc je l'ai arrondi, donc je fais 8000 la longueur qui est le double de la largeur afin de faciliter le travail pour transformer en globe 3D. En sphère, donc il faut qu'elle soit le double de la largeur. Template, on va rien faire puisqu'on va le laisser ici. Je garde par défaut pour l'instant. Surtout, il faut garder landscape au lieu de portrait. On y va. Donc, le temps qu'il charge toutes les le contenu du thème, tout ça. Voilà, on est devant l'application. Ce qu'on va faire. On va importer, donc il est sur sélection sol, terre, land. Importer, je recopie le chemin du dossier contenant tous ces fichiers. Regardez les détails qu'il y a écrit en bas sur le clavier que j'ai tapé. Et CTRL C. Comme ça, je recopie l'adresse. Je mets à l'écart pour l'instant et je colle. CTRL V. Entrée,
J'arrive au chemin et je sélectionne le fichier. Donc, je vais faire normalement, donc, pour que vous puissiez voir les défauts, les problèmes rencontrés et ce qu'il faut faire avec les trucs basiques, quoi. Donc, au début, on veut juste le continent Redline. Donc, je clique dessus, je dis importer sur dans l'application. Sauf que, regardez, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il fait ça. Je vais montrer la carte d'origine que j'ai importée, c'est celui-là. Donc c'est juste tout ce qui est blanc, c'est le continent Redline et les îles autour. Donc il n'y a pas les îles de Grand Line. Non, c'est comme ça, mais à l'importation, il me donne ce résultat. Donc, pas terrible, il faut trouver une solution. On essaye de faire des modifications pour voir si ça change quelque chose. Je vais dans mer et je fais pareil. Ça a juste changé, modifié le contour, c'est tout ici. La couleur, donc ça change rien. Je reviens dans terrain et je sélectionne celui-là. Vise la masse continentale. Et là, Rockness, j'essaye de jouer avec ça, ça change rien. Détail, ça change rien du tout. Water, donc ça change, c'est le niveau d'eau. Le niveau d'eau soit plus profond, plus haut. Et là, le blanc, c'est la terre. Donc c'est à dire que le niveau d'eau est à zéro par rapport à la terre. Donc on voit la terre, on voit plus d'eau. Et là, le niveau d'eau est plus vers le bas, du coup voilà. Donc il y a toujours plein de défauts, ça marche pas, voilà. Donc je rouvre cette, donc en créant juste le continent dans un calque vide, il nous donne un mauvais résultat comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une couche de couleur de fond pour qu'il ne soit pas transparent. En fait, le problème ici, c'est la couleur, en fait le transparent qu'il y a derrière, qui ne prend pas en charge correctement. Ça fait des trucs bizarres. Donc en rajoutant le fond de couleur bleue, donc je vais arrêter celui-là, supprimer, et je vais récupérer. Attendez. Voilà, je vais récupérer cette fois-ci avec le fond bleu. Donc l'adresse que je fais un copier-coller tout à l'heure, je le recolle et je prends celui qui est avec le fond bleu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, tant que le fond n'est pas transparent, l'affichage est correct. Et après, en venant sur la masse terrestre, on peut travailler sur le niveau de la terre par rapport à l'océan, la mer. Là, ici, c'est le niveau d'eau. Niveau d'eau plus haut, niveau eau plus bas. Donc plus il est bas, c'est à l'eau et plus profond, donc plus il y a la terre. Voilà les détails. Donc on va zoomer afin de pouvoir voir les détails. Regardez, il y a un léger contour. Si je bouge le détail, on voit pas. Rondness, on voit pas non plus. Donc ça n'a rien à voir avec la terre, le contour. Ça simple, donc espace pour pouvoir déplacer, contrôle 0 pour avoir ajusté la taille de la fenêtre. Donc je vais au niveau haut et là si je bouge, je vois qu'il y a une différence, la côte, distance de la côte. Je zoome et je bouge, on voit que c'est pour modifier la distance entre la terre et la mer, donc la côte.
Voilà. Plus je monte, plus la côte est plus large. Ça, c'est au fond de la mer. Et ici, sur Terre, il y a les vagues de mer qui me remontent sur la Terre. Alors que landmass, outline, est là. C'est au niveau de la Terre. Donc, on veut que la mer soit sur la Terre ou pas? Là, je l'ai réduit. Donc, la Terre va jusqu'au bord de la côte. Et là, la Terre laisse l'eau remonter sur sa masse. Voilà. Donc, je prends entre les deux, légèrement décalé. Pareil pour la côte, il est trop précis. Je le rends un peu moins. Donc, c'est-à-dire, il monte un peu sur la terre et un peu sur la mer. Donc, la couleur gris sombre, c'est la mer. Blanche, c'est la terre. Contrôle 0 pour élargir à la fenêtre, la taille de la fenêtre. Voilà. Pour ça. Donc, les différents boutons, c'est la mer, l'océan, la terre, les chemins. Donc, on peut tracer les chemins, sélectionner les chemins, positionner la cible, je pense. Donc, j'ai oublié, ça fait plusieurs années que j'ai plus utilisé. Du coup, j'oublie presque la totalité des fonctions. Symbole, c'est ce que j'appelle les sprites, c'est-à-dire des petites images qu'on incruste sur la carte. J'ai le micro qui est parti tout à l'heure. Donc, chemin, symbole. Donc, pour sélectionner le symbole, regardez ce côté droite où il n'y a aucun symbole. Symbole, c'est-à-dire des images qu'on incruste, qu'on importe sur l'application. Il y a juste les fonctions de configuration pour dessiner. Donc, la côte, la mer, la terre, les couleurs, transparence, tout ça. Donc, en cliquant sur le château, c'est-à-dire on va voir les sprites, les images. Donc, voici à droite, symbole, on peut choisir la taille. Voilà, il fait une sélection automatique. Dès qu'on clique sur le château, ici le symbole, le sprite pour moi. Donc, il sélectionne un objet et on peut voir la dimension qui a 100, échelle 100. Donc, avec la molette de la souris, je peux modifier la taille et on voit ici je réduis la taille à 100, je augmente à maximum qui va jusqu'à 380 400. 400 c'est la taille de la fenêtre complète pour le spray, l'image qu'on va incruster. Donc c'est trop gros. Donc après je peux sélectionner, donc je reviens le 7. Donc, on clique dessus, je dis montrer tout. Je clique sur All. Tous les images, sprites que j'ai rajoutées dans l'application. C'est un rajout qu'on fait. Ou qu'on achète. On peut créer soi-même. Donc, c'est-à-dire des images qu'on a créées sur Photoshop. On peut les rajouter dans le set personnalisé. Ou on peut acheter sur le site de l'application. Là, du coup, on a accès à absolument tous les sprites qu'on a créés ou qu'on a téléchargés ou achetés. Donc, on peut tout faire avec. Là, ce sont les sets normalement qui vont avec l'application ou télécharger ou acheter. Voilà, sprite qui est disponible donc, sur Internet. Et tout ce qui est sprite pour le thème de la carte World Map de One Piece, c'est moi qui a créé. Donc tout ici, c'est télécharger, acheter. Voilà. Il y en a beaucoup. Donc, ce qui explique qu'il faut vraiment taper les noms de certains sets. Donc je vais chercher les sets. Je me rappelle plus très bien. Donc, il y a Iceland. Voilà. Il faut un petit moment parce qu'il y a beaucoup de données. Du coup, il prend plus de temps à répondre. Donc, soit on recherche, par exemple, Sabaudi, je tape Sabaudi. Et voilà, l'affiche.
Et je peux, là, on va la taille. 350, 400 maximum. Et il est là. Donc, je fais zoom. Et je peux coller mon îlot en cliquant tout simplement avec le bouton gauche. Ah, on voit pas ce que je fais avec le bouton. D'accord. Juste comme ça. Et on peut sélectionner avec la flèche. Là. Et on peut déplacer. Par contre, ah oui, on peut encore. La gomme. Gomme. Sapin. Donc, donc, si on met le sapin sur la mer, qu'est-ce que ça va faire? Je réduis la taille déjà. Donc, je clique. Ben, il est là. Il ne change rien. Je mets sur mer, il va sur mer. Normal. Ok, une montagne. Là, il y a les montagnes qui s'affichent. Forêt, il y a les forêts, les arbres qui s'affichent. Montagne. Donc, les montagnes, les falaises, les volcans. Je prends un par hasard. J'agrandis. Je clique sans lâcher sur la souris. Et je fais bouger juste la souris en maintenant le bouton gauche de la souris. CTRL Z ou Undo ici. Voilà. Et sinon, je vais supprimer déjà. En maintenant le bouton et en faisant rouler la roulette. En maintenant Shift majuscule. Du clavier et fait rouler la molette. On change en sélectionnant en fait toutes les images sprites. J'appelle ça des sprites. C'est par rapport au jeu. Donc voilà, je fais shift roulette et je change de montagne. Voilà, c'est en fait on fait glisser entre chacune des sprites ici. Voilà. Molette souris sans appuyer sur le clavier. Donc ça fait agrandir, réduire le sprite en maintenant le bouton Shift et roulette. Voilà, on fait bouger. Montagne à nouveau avec des détails. Voilà. Avec Shift. Ah ouais, il est passé par derrière ou devant, tout dépend de la position de la souris du curseur par rapport au sprite. Soit on vient dans la partie droite et on sélectionne ici pour avoir les différents niveaux de profondeur. Défaut, donc c'est-à-dire c'est au niveau la terre du terrain, soit supérieur au terrain, donc niveau 1, niveau 2, on voit comme ça. Et pour ce qui est inférieur au niveau défaut, c'est sous la mer. Donc on peut sélectionner les différents niveaux pour poser le sprite. Donc c'est ici layer, la couche. Donc ici c'est par défaut. Et après on dit que la montagne doit être au-dessus du terrain, donc 1. Et si je mets 1, même si je mets. Je positionne derrière. Il se trouve toujours devant tout le monde parce qu'il est au niveau 1 supérieur par défaut. Par rapport au défaut. Donc il sera toujours visible par rapport aux autres. Par contre, si je mets au niveau moins 1, du coup, tous les sprites que j'avais mis avant, donc c'est par défaut, donc c'est-à-dire il est supérieur à moins 1 et inférieur à 1 plus. C'est-à-dire que si je sélectionne maintenant moins 1 et je positionne devant ici, ben il est devant. Bête, là. Non, ok. Non, je sélectionne quand même avec un spray qui se trouve ici. Je clique dessus et il ne pourra jamais être devant. Il est toujours derrière parce qu'il est en sprite inférieur. Voilà. On peut sélectionner la position. C'est comme le parallaxe pour pour tous ceux qui travaillent
sur les sites internet. Voilà. Voilà, ça c'est pour les différents niveaux. Symbole donc pour la taille. Donc moi j'utilise la roulette de la souris, mais vous pouvez sélectionner ici, là, 250, on descend 80, c'est plus petit. Placement rate, celui-là, par contre, je me rappelle pas où je suis, c'est pas du tout. 0,25, c'est quoi? D'accord. Je fais 1. Ça change quoi? Ça change rien. Je sais pas du tout à quoi ça sert du coup. Donc il faut regarder le manuel. J'ai complètement placement densité 2. Donc si je fais 2, je supprime et maintenant je fais 1. Je place pareil 1. Je fais 2 à nouveau. Je redessine la même chose. Donc, en fait, il rajoute le spray 2 fois plus vite. Donc, il aura beaucoup de plus, 2 fois plus de sprite par rapport à une fois. Donc, si je réduis, par exemple, là maintenant, à moins 3, et je redessine pareil, donc 3 fois, 4 fois, je dessine 4 fois, il y a toujours moins qu'ici. Donc, c'est la densité du sprite qu'on injecte sur la carte. Là, on laisse 1 du coup, par défaut. Donc, placement rate, le taux, donc je pense que c'est ça, je crois. 2. Et bien, je suis à 0,5. D'accord, donc c'est à peu près la même chose ici. Ok, c'est à peu près la même chose que la densité. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, on change, donc on va sur la partie droite, cliquer sur l'étoile. C'est pour sélectionner les différents thèmes pour la mer. Voilà, on change la mer. Wet texture. Feudal. Je zoome pour que vous puissiez voir un peu. Il est à l'envers en plus, le feudal. Là, ça concerne juste la mer, l'océan. Niveau inférieur à par défaut. Imaginaire. Donc, c'est les dessins à la main, au crayon. Bon, papier. Donc, papier cartonné. Bon, c'est toujours la mer. Vintage. Qui est pas mal. Wow. Là, c'est. En fait, il est trop sombre. C'est dommage parce qu'il est bon, mais il est trop sombre. Après, on peut choisir la couleur, je pense. Et après, le dernier, c'est Avro. Cela, c'est une extension que j'ai rajoutée, je crois, qui ressemble à du volcan, la lave. Voilà, ça, c'est pour la mer. Donc, je vais reprendre Imagination, par exemple. Et Concerning landmass on land, freeway. Donc, si je sélectionne du bleu par exemple, bleu clair, ok, on va dire comme ça, je vois rien du tout. Bleu. Voilà, comme ça, j'avais dit. Bon, on voit rien du tout. Bon. Donc, je sais pas encore c'est quoi. Donc, une fois c'est la mer, là c'est la terre. Papier. Et qui est la terre? C'est pour la terre. Le sol. Vintage. Avrolo. Voilà, c'est blanc. Blanc papier. Bon. Ok, voilà. Donc, pour supprimer ça, je vais dans symbole, gomme, et je supprime.
Donc, contrôle 0. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, ça, c'est différentes couches. Le symbole. Donc, on peut choisir les objets qu'on veut travailler. Là, ici, c'est tout. Et là, maintenant, dans pattes, donc les chemins, la route, tout ça, on peut dessiner. On choisit la largeur. Je fais maximum pour qu'on puisse voir un peu. Et on va zoomer un peu. Voilà, on peut dessiner le chemin. On fait un simple clic souris pour positionner un point et pour faire les contours, tout ça. Et changement de chemin. À chaque fois, je clique sur la souris pour faire une rotation de route. Voilà. Double clic pour terminer. Voilà. Et après, on peut sélectionner les différents terrains. Donc, je fais sélection. Je sélectionne le chemin déjà tracé et je sélectionne une des thèmes. Et il se transforme par rapport à la sélection. Voilà. Et la couleur, par exemple, je veux du rouge. Et je veux une route, autoroute plutôt. Voilà, autoroute. Là, très... par la largeur, donc voilà, et puis c'est trop haut symbole rond tiré épée flèche route pointillé et route rail de chemin de fer route de terre voilà brique voilà ce qu'on peut faire par contre ça. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi? New. Ah, on peut dessiner aussi l'épaisseur. Donc ici c'est dessiné là, du coup. D'accord. C'est très gros. Donc on peut dessiner avec ça. On dessine le terrain, du coup. Je supprime. Par contre, le terrain n'est pas supprimé. Voilà. Contrôle 1. 0. Voilà, ça, c'est pour le chemin. Après, il y a le label. Donc, c'est-à-dire texte. On peut taper le texte. Zoomer. Texte. Et la belle personnelle. Et après, on peut déplacer avec ce curseur. On peut incliner avec la flèche ici. Si je maintiens Shift, non, c'est pas. Donc, ça bloque à chaque. Oncle, si je prends contrôle, c'est roue libre. Je prends majuscule, c'est par roulette. C'est allé, il fait un clic, 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 clic. Et alt, ça change rien. Alt, ok, ça change pas grand chose. Donc, il y a juste shift. Travaille donc après si je change comme ça la couleur où il est donc cité on peut sélectionner pour dire que c'est la ville la l'eau ou le cité donc on peut lui donner une catégorie le choix du texte pilpo calpette. Par contre, il est limité en fait le choix des caractères. Le fond de couleur bleu. Je vois qu'il y a un petit truc là. On voit les contours. Pas beau. Outline with 2. Ah oui, il y a le contour. Ah, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Contour. Je n'avais pas fait attention. Et le contour.
Par contre, il est trop transparent. Kyo. Non. Ok, Kyo. La transparence. Où est-ce que je travaille avec? Aligné. Là, il est trop transparent. C'est ici, non? Non, ça, c'est la sélection. Alpha, c'est ça. C'est la transparence. Ici. Je fais 80 à peu près. Voilà, pour la transparence. Ok. Et soit on peut sélectionner la couleur en sélectionnant la pipette. On va chercher une couleur. Par exemple, je prends pipette. Après pipette, voilà. Je prends par exemple ici, gris blanc. Et voilà, la couleur, il est là. Je recommence, je prends la pipette. Je prends bleu. Et là, le bleu, il est sélectionné. Donc, on reste sur. Donc, ici, c'est le contour seulement. Ok, on laisse contour. Là, on prend noir. C'est bon. On peut aligner le texte. On dézoome donc pour montrer un peu plus. Aligner gauche, centré, aligner droite. Il fait à l'envers, non? Je prends tout le milieu, curvé. Donc, ici c'est tout droit. Ici c'est juste la rotation avec chiffre, rotation. Et là, pour curver le texte par rapport à la forme qu'on va utiliser pour le texte. Double-clic, je tape 0. Ça, c'est quoi? Body en noir. Ça veut dire quoi? Le corps de l'eau. Là, je connais pas du tout ça. Voilà. Bon. Je sais pas. C'est pour lui. Et là, sinon. Donc, pareil. Pour les configurations. Et ici, pour la personnalisation. Ok. Donc, c'est le label pour le texte. Je fais supprimer. Non, ça supprime pas. Il faut effacer le texte pour supprimer. Effacer, et comme ça disparaît. Je sais. Par contre, celui-là. Ah oui, j'ai complètement oublié. Donc, c'est le cadre. Tilt. La couleur du cadre. On peut déplacer. Donc, on agrandit ou on réduit le petit symbole qu'il y a dans les quatre coins. Donc, on sélectionne le centre par exemple. Voilà. C'est intéressant. Là, on va là, dans Overlay. J'ai pas encore supprimé lui là. Comment on fait pour supprimer du coup? Entre Delete. Overlay. Donc CTRL 0 à nouveau. Je clique sur Overlay. Donc ça n'a rien changé. C'est toujours le même panneau de réglage. Je vais dans les couches. Layer. Trace. Image, donc on peut aller chercher des images apparemment. Le chemin, le disque qu'on va aller. Par contre, on peut pas aller chercher le répertoire, il faut taper le chemin. C'est-à-dire que si je prends copie l'adresse, je colle par-dessus et je lui dis aller chercher. En fait, il n'ouvre pas le répertoire, mais il affiche seulement les images, la liste des images. Donc, c'est mal, assez mal fait en fait. Donc, on supprime.
clear. On voit qu'il y a encore le truc ici là. La taille. Donc, du coup, en fait, c'est quoi ça? Bend. D'accord. D'accord. Ok. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc, on va dans ce symbole de ruche là. Pattern 0, square. Donc, on sélectionne les quatrillages. Voilà. Le quatrillage. Donc, tout à l'heure, il n'y a rien. Rien. Donc, n'affiche rien. Après, je vais dans carré, square. On peut choisir la dimension du quatrillage. L'épaisseur du ligne, des lignes qui va jusqu'à 10. 0, 2 à 10 maximum. Donc si c'est trop fine, c'est presque invisible de loin. Là, comme ici. Là, si je prends 2, bon, on voit encore, mais pas toutes les lignes. Je réduis aussi cela. Donc on voit pas tout. Là, on voit assez bien. Voilà, c'est pour le quatrillage. Donc, par défaut, sous les symboles ou pour la mer, c'est bon. Là, on voit qu'il y a la terre. Il affiche par défaut, c'est-à-dire il affiche partout. Il est visible partout. Qu'il y a la mer ou il y a la terre, on le voit partout. Si je sélectionne sous les symboles, là, on voit bien que. Pourquoi ça marche plus? On voit que le symbole là, il n'est pas cadré. Il n'y a pas de grillage dessus. Il est sous. Donc, et là ici, on est sur l'eau seulement. Donc tout ce qui est continent, terre, ne sont plus quatriés. Seulement sur la mer. Voilà. Contrôle 0. Donc on peut sélectionner différents patterns. Est flat, voilà les ruches, j'adore. Après il y a point x, ça veut dire quoi point x? Flat x, d'accord. Donc il est tout droit ici, tout droit ici, et lui, c'est la pointe ici, c'est la pointe, il est droit à la verticale, d'accord. Là, après, on peut sélectionner la couleur pour la mer. Donc, on va dire bleu. Voilà, bleu. Là, c'est la transparence ou pas. Donc, on va dire transparence. Là, 255. On va faire à peu près moitié. Je zoome. Ouais, on voit à travers. C'est très bien. Contrôle 0. Après, il y a les 4, les teintes, la taille, kilométrage. Là-dedans, il y a différents choix. L'unité, on peut mettre kilomètre, voilà, kilomètre au lieu de miles. Et ça, c'est la règle pour la distance, voilà, pour mesurer la distance. Là, 120 pixels. Double clic. Scroll unité, là, c'est en unité, clear, excellent, voilà, on peut faire tout ça, c'est génial, c'est très pratique. Donc je crois que j'ai déjà fait le tour, hein. Après il y a donc, nouveau projet, ouvrir, on va sauvegarder ou pas, non, on va arrêter, donc on va ouvrir un projet. On va sauvegarder le projet, importer un fichier.
exporter le travail. Donc l'exportation, on a plusieurs options normales, c'est-à-dire on a décidé dès le départ qu'il fait 8000 fois 4000 pixels en dimension de la carte. Donc c'est la normale. Après, il y a x2, c'est-à-dire il va multiplier par 2 la dimension de base, qui est 8000, qui devient 16000, et le 4000 qui devient 8000. Donc si vous voulez une carte plus grande, alors que vous travaillez avec une carte standard, donc sélectionnez ça pour agrandir, pour voir les détails bien précis et exporter. Donc il y a un autre encore, multiplane. Multiplane, c'est-à-dire vous exportez chaque partie. Par exemple, vous avez la terre qui sera exportée à part, la mer exportée à part, les sprites exportés à part. C'est super intéressant. C'est quand vous voulez recomposer votre carte avec les différentes catégories et différentes parties. Donc c'est très intéressant. Après, il y a IMAP, qui est super intéressant aussi. Si vous travaillez par exemple comme la globe 3D que j'ai créé, en fait ça devient très intéressant. Avec la IMAP, ça permet de créer des reliefs sur la carte. Donc une carte plate ici, c'est un peu moins intéressant, mais c'est toujours bien de pouvoir le faire. Mais après, pour le convertir en globe 3D interactive, là ça devient super intéressant. Là, donc la IMAP, c'est pour ceux qui travaillent avec le globe ou les différentes parties, comme dans les jeux, en fait. Les jeux, il y a des textures, des reliefs, tout ça qu'on veut rajouter. Donc, on peut exporter tout ça de différentes manières. Voilà. Pour moi, le plus intéressant, en fait, c'est le plus intéressant, c'est le multiplier par deux la dimension, afin de pouvoir zoomer sur les détails. Et multiplane, si vous faites souvent des mises à jour, des rajouts, tout ça, le multiplane est intéressant quand vous voulez changer, modifier tout ça. Et le IMAP, c'est pour ceux qui font la 3D. Ça devient intéressant. Ou les landscapes. Le normal, bon, c'est normal. Voilà. Voilà, c'est un petit tour pour l'application de Wondercraft. Je me suis trompé. Voilà. Waiter. Donc, Waiter, je n'ai pas expliqué encore, hein, je crois, tout ça. Parce que ici, c'est pour dessiner la rivière, pour faire des lacs. Ici, pour dessiner, gommer, peindre la texture de la mer. Soit en transparence, translucide, léger. Vous pouvez choisir la translucide. Et soit c'est plein couleur, soit c'est de forme brouillard. Et là, c'est intéressant aussi, c'est l'étoile qu'on peut injecter pour la navigation sur mer, donc en faisant des points cardinaux. C'est intéressant aussi ça. Et on peut changer de forme, je crois. Non, je vais dans l'étoile, non. Je sais plus c'est où pour transformer. Fade out. C'est pas lui. Je me rappelle plus. Normalement, on peut transformer, mais je vois plus où c'est. Fresh. Non. Je comprends plus. Avant, je peux transformer, mais là, je sais plus où on doit le chercher. Imagination. Black. Donc je vais poser déjà un ici. Il n'y a rien. Voilà, je pose. Je fais la sélection. Sélectionner. Je comprends plus rien. Normalement, il y a un choix. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je me suis trompé. C'est dans symbole. C'est pas ça non plus. Ah merde. Bon.
Je comprends plus rien là. 1, 2. Normalement, on a un choix. Chemin, pâte. Volaille, lapin, symbole, pâte, l'âne, white. Flash white. Je me rappelle plus. Normalement, je peux sélectionner le symbole. Là, je sais plus. Ah, d'accord. Cardinaux. Je vais taper cardinaux peut-être. Cardinaux. C'est pas ça. On va faire une sélection. Comme ça. C'est Pierre. Oublié nuage. Climat. C'est quoi? Ok, climat. C'est à moi ça. Compare. Voilà, c'est ça. Je mets dans Waiter. Donc, c'est ça. C'est différent. Donc, symbole. Voilà, j'ai le symbole ici. On va agrandir un peu pour qu'on puisse voir correctement. Pour qu'on ne glisse plus là. Voilà, les points cardinaux. Noir et blanc, dessin, crayon, les pointes, les flèches, flèche simple, flèche arme, compas, crâne de la mort, voilà. Crayon à la main, voilà, donc compas. Papotard en papier à la campagne, aztèque, le relief. Celui-là, c'est bien pour le IMAP. Ça, c'est fait exprès pour le IMAP afin d'avoir des reliefs. Ça pour la lune, c'est magnifique cela. Je l'ai jamais utilisé pour travailler. C'est super beau. Les reliefs IMAP, c'est super intéressant. Tout ça, les arbres. Donc, on va retirer le overlay. Donc, pour ne pas rentrer pour ne pas qu'il soit visible, on supprime, on ferme les yeux sur les chemins, sur les labels, tout ça. Voilà, après on peut peindre dessus. Par exemple, je prends la terre, je prends le pinceau et je peins, et je peins rien du tout. C'est ça le pain, et je peins rien du tout. Il faut prendre ça, après on sélectionne la couleur. Choisir la couleur un peu terre. Rouge un peu. Ok. Et là après, si je sélectionne dessiner, il dessine juste sur l'eau. Quand on est sur terre, ça dessine pas. Et il dessine au niveau hauteur par défaut.
C'est-à-dire qu'il ne va pas plus haut ni plus bas. Et il ne dessine que sur la mer. Si je dessine sur terre, on ne voit rien du tout. Donc c'est juste dessiner le contour de la terre, du sol. Après, on peut monter la hauteur. Et là, c'est juste peindre la couleur. On a choisi la couleur et on peint. Si on peint, on peint seulement sur la terre. On ne peint pas sur la mer. Là, c'est génial, des trucs comme ça. Ça facilite énormément le travail. Donc, on ne peut pas faire de petites erreurs puisqu'on ne peut pas dessiner directement sur la mer. Sauf si on sélectionne bouton mer et on dessine sur mer. Par exemple, là, je vais dans, sur mer. Et je prends. Non. Je dessine sur mer, ça marche sur la terre, mais sur la mer, ça marche pas. Donc, la rivière. La rivière, donc, c'est important. Le premier point qu'on clique dessus, c'est le point. Le petit point, on va dire. Et le deuxième point, c'est la large. C'est celui qui est le point le plus large depuis la source. Après, je fais double clic et il creuse la terre. Au niveau terre. Il ne creuse pas sur la mer, il creuse sur la terre. Là, c'est ça qui est intéressant. Alors que là, on peint juste. Si j'essaye de peindre ici, on ne voit rien. C'est normal, on n'a pas pris de couleur. Donc, je vais changer de couleur. Ok. Et je vais essayer de peindre. Comme c'est la terre, on ne peint rien du tout, puisqu'on sélectionne la mer. Donc on ne peint que sur la mer. Là. 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 Tout ce qui est mer est peint. Et on choisit l'épaisseur. Là, c'est limité l'épaisseur par contre. Par exemple, j'essaye de faire... 300, il revient tout de suite à 256 maximum. Opacité, donc c'est intéressant. Proche vélocité, donc je fais opacité et taille maximum. Je dessine et on voit à travers les textures de ce qu'il y a avant. Alors que si je prends opacité à 1, je redessine, ben c'est pareil, ça change rien. Et c'est con comme tout, c'est trop con. Il laisse passer quand même, non ça sert à rien. Vélocité, full. Ah d'accord, au lieu de peindre à la main. Je ne savais même pas. J'ai toujours vu le bouton remplissage. Mais je ne l'ai jamais essayé. En fait. Non, il suffit de sélectionner. La grille. Je fais fil. Sélectionne un peu plus sombre. Fil. Et le bleu. Fil. Et la blanche. Fil. Non. Je n'ai jamais essayé. Non, en fait, il fait automatiquement le remplissage. Manuel couleur, on sélectionne les couleurs qu'on veut. Rouge, fil. Voilà, génial. Là, je connais pas. J'ai devant mes yeux, à chaque fois je le vois, à chaque fois je regarde. Mais je me pose la question, mais j'essaye pas. Donc ici, c'est la prime. D'accord. Donc on fait prime, et on fait blanche, et on dit full. Je sais pas si vous voyez un peu, les certains tâches sont plus sombres et après il y a des blanches. Et si je fais plein, fil, ben c'est la même chose. Ah, trop con. Bleu, remplissage. En fait, on voit rien du tout. On ne voit pas du tout. Transparence, ça change rien du tout. Dans le remplissage complet, ça change rien de sélectionner cela. Il remplit juste la couleur normale.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, ça, c'est les lacs. Je disais, là, je roule la molette pour agrandir. Je tape sur Shift. Je vais rotation. Voilà. Et on peut faire un delete à 64 fois. Je crois que j'ai sélectionné 64 fois delete. C'est-à-dire, on peut faire de revenir en arrière jusqu'à la 64e fois de supprimer. Dessiner. Voilà. Là, c'est qu'on dessine nous-mêmes. Push size. Et regardez le contour. Il a une forme irrégulière de 0,6. Je fais 0,1. Je redessine la même chose. Il est beaucoup plus rond, plus lisse. Il n'est pas très irrégulier. Alors que je prends la moitié, du coup, 1. Regardez, le contour n'est pas arrondi, lisse. Il est plus régulier, mais finement. Pourquoi? Pourquoi il est allumé? Alors que sur 2, je pense, c'est 2, voilà, 2. Là, ça s'éparpille un peu plus. Là, c'est plus large, plus gros. Les formes irrégulières ici, c'est beaucoup plus fine, plus de détails, très fin. Voilà, ça c'est pour le pinceau. Et là, par contre, on peut pas faire un sprouche aérosol, on peut pas, c'est un par un. Voilà, c'est tout. Hein. Ça, c'est la couleur. Donc, j'ai pris bleu. Je dessine bleu. La fumée. C'est différent. Et là, 100%. Ça marche pour la peinture. Et là, la prune. Plus lisse la prime. Voilà pour la mer. La terre, c'est à peu près la même chose. On peut soulever la terre. Par exemple, je prends il n'y a pas couleur là, non. Bon, je prends monter proche le plus grand. Oh, nice. Voilà. Donc sur terre on ne voit pas. On peut le faire sur mer. On va lisser. Voilà, lisser la taille. Ça, c'est pour monter. C'est-à-dire qu'on est sur la mer, on rajoute les îles, la terre. Pour rabaisser, il faut être sur terre. Là, on rabaisse rien du tout puisqu'on est sur la mer. Donc, quand on est sur terre, on fait des trous, des lacs, des rivières. En rabaissant la terre. Gommer. Attendez, je vais dessiner déjà. Ici, et je vais descendre ici. Et là, je prends gommer. Donc, une gomme la terre. En fait, donc, je prends la terre, une gomme la terre. Donc, si je dessine sur la. Non, une gomme juste la mer. À la terre. Ça, par contre, on trace enfin des formes. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais utilisé. Je sais pas, je ne savais pas. Ok. Du coup, je prends un pinceau. Ah, il est parti. Hein? Ah, cut, copy, full. Ah ouais. Putain, on m'a rien dit. Hein? On m'a rien dit. Ok.
On m'a rien dit. Et je voulais faire un rond. Et rase. Il n'y a pas de rond. C'est dommage. C'est juste des tracés de ligne droite. Donc, soit on remplit, cut, copie, et alors je copie et puis qu'est-ce que je veux? C'est pas amusant, on fait le copie pourquoi là? Remplir, je fais la même chose, et rase. Oh, intéressant, super intéressant. Je connais pas du tout. J'avais pas fait attention. En fait, c'est hyper intéressant ça. Le tracé polygonal. Et là, il n'y en a pas pour le chemin dont j'ai déjà vu. Celui-là, c'est bon. On a fait le tour en fait. Donc ici, c'est tous les packs qu'on a rajoutés. Les extensions, dont les sprites qu'on a rajouté, c'est dans Asset Theme. Donc les thèmes que vous voulez s'afficher ici ou pas, donc vous cochez, décochez en fait pour dire qu'il faut afficher la terre, la mer, la forêt, les symboles, tout ça. Voilà. Appliquer, sauvegarder, tout ça. C'est très simple et assez complet. Donc c'est hyper intéressant l'application. Ça permet d'avancer plus rapidement. Et surtout de faire des trucs assez détaillés, comme ici. Donc je prends land. Je prends gomme. Et land seulement. Là j'ai un truc là ici. Donc il faut symbole gomme. Non, il supprime tout ce qui est symbole. Zéro. Voilà, on termine ici pour les. Pour un mini guide sur l'utilisation de l'application WonderCraft. On termine ici.